Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo, c'est juste pour vous montrer parce que je viens de trouver un bug, c'est pas un bug, hein, un petit truc. C'est pour jouer avec n'importe quel joueur de champ avec le maillot du gardien en fait, et sur le terrain. Bon là par exemple on va dire je vais mettre Casillas au cage, donc c'est... Bon on va dire aussi je vais mettre Ronaldo ou Bale, vas-y. Bref, n'importe. Oh je peux essayer les deux sinon on verra bien. Alors... On va le mettre remplaçant. Bon, c'est juste un petit truc comme ça, c'est inutile, mais je viens de découvrir ça, je connaissais pas tout à l'heure. J'ai voulu troll, hein, j'ai mis d'abord Diego Lopez au cage. Ensuite, bah on me voit. Et ensuite, j'ai mis Ronaldo. Et ensuite, quand j'ai fait rentrer Casillas, mais que je voulais garder Ronaldo sur le terrain, bah Ronaldo il est resté avec le maillot du. Ouais, c'est bizarre de jouer une main. Oh, ça le fait. Ah non. Il est resté avec le maillot du gardien. Bon, vous allez voir, hein, c'est plus facile. Bon, là, désolé pour la qualité, hein, j'ai rien pour filmer, mais bon. Alors voilà, là, ils vont engager. Hop. Je vais faire rentrer Ronaldo au cage d'abord. Vous avez placé un joueur de champ en place du gardien. N'oubliez pas de disposer. Je sais pas quoi le gardien sur le banc, je sais plus ce qu'il est, j'ai pas. Hop. Bon, maintenant on va attendre qu'il la sorte, hein. J'espère qu'ils vont y faire. Vite. Vite. J'ai dit vite. Allez. Oh putain. Ah bah oui, c'est le Barça. Faut qu'il repasse derrière encore. Ah, voilà, il a fait faute. Maintenant il va y avoir le changement. Et là, regardez, déjà il rentre avec un maillot 1, sans nom et tout, parce que bah, voilà, c'est pas son poste normalement. Donc voilà, Ronaldo il est au cage. Ensuite, je vais refaire le changement. Et regardez, là, je peux pas mettre Ronaldo, par exemple, d'abord ici, parce que ça me dit je peux pas mettre un joueur de champ. Donc, il faut d'abord que je... Bon, on va essayer Bale aussi, comme ça, on met deux joueurs. Bale au cage, Ronaldo, là, il est là. On le reprend, on le met sur le terrain. Donc, ça n'aura qu'un changement. On le met sur le terrain. Bon, j'ai mis la place de Benzema, personne ne m'en voudra. Hop, hop. On va rejouer. Je vais ressortir la balle, si j'arrive, à une main. Ah, regardez, il était en train d'aller en attaque. Hop. Hop. Ah, Benzema, il sort avec la tenue du gardien, quand même. Et voilà, hop, on a un deuxième gardien. Hop, maintenant je vais mettre Casillas, quand même. Et c'est... Bon, là, c'est un peu long, hein, parce que j'ai galère une main et tout, mais c'est pour vous montrer. Hop, on met bien, encore pareil, la même technique, Casillas d'abord, enfin, le goal d'abord, et ensuite on le fait rentrer. Ok. Et là, vous allez voir... Oh, il enlève du pied déjà. Ah, mais il est plus gardien, donc, à ce moment-là. Et là, c'est qui est gardien? Pour le moment, c'est Arbeloa. Ah, mince. Et c'est marrant, parce qu'il s'est changé en gardien directement. Ils ont tous le maillot 1 du gardien, et regardez. Là, ce qui est marrant, c'est qu'il reste sur le terrain avec, regardez, on voit bien Ronaldo, hein, avec ce maillot-là, Bale aussi, c'est marrant. C'est, je viens de trouver ça, c'est drôle. Et c'est surprenant aussi parce que quand vous jouez, le mec en violet, comme ça, d'un seul coup, vous le voyez. C'est... Voilà, bon voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Et c'est assez drôle quand même. Hop. Je vais essayer un truc d'ailleurs, un petit bonus, un petit exclu, attendez deux secondes. Je vais essayer de changer. Juste parce que là c'est Arbeloa qui a le maillot du coup. Et je vais essayer d'annuler Chando. Marcello aussi qui est par là-bas qui court au cage et voilà. Bon voilà pour conclure, regardez mon équipe maintenant avec mes joueurs là, hop. Avec Bale, Ronaldo, Marcello aussi qui est par là-bas qui court au cage et voilà. Bon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette petite astuce. J'espère que vous arriverez à la refaire. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si cela vous a plu.